Salut, salam, shalom les gars. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo pas comme les autres. Une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à monsieur Yanis qui est ici présent, qui est l'un des joueurs les plus complets que j'ai vu sur cette terre. C'est moi qui vous le dis, c'est l'un des joueurs les plus complets. Il est fort au cage, il est fort en tant que défenseur et il est fort en tant qu'attaquant. J'ai jamais vu ça. Il m'a impressionné la première fois que je l'ai vu. Il m'impressionne encore tout le temps. À chaque tournage, quand il est au cage, il m'impressionne toujours alors qu'il n'est même pas gardien de balle. Yanis, comment tu vas, mon gars? Ça va, super, toi. Les gars, je vous mets le Instagram de Yanis. J'espère que vous allez tous aller follow. Allez tous le follow, donnez une place fort parce qu'il sera souvent présent dans mes vidéos. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que t'es gardien, t'es attaquant, t'es milieu, je comprends pas trop moi. À chaque fois tu me dis t'es ça et en fait t'es ça, à chaque fois tu me dis t'es ça, en fait t'es fort à ça. Explique-moi un peu. Bah en fait quand j'étais petit, je savais pas trop quel poste je voulais jouer en fait. Je jouais gardien, en même temps joueur, je savais pas trop quoi faire. Donc ça veut dire en fait je faisais demi-temps au goal, demi-temps joueur. Donc tu faisais une mi-temps gardien, une mi-temps joueur, voilà. Moi j'ai jamais vu personne faire ça. Personnellement, une mi-temps gardien, une mi-temps joueur. Après j'ai intégré un autre club, donc le club auquel je suis maintenant au Paris FC. Et maintenant je suis joueur. Mais je m'entretiens toujours en tant que gardien parce que j'adore plonger. Ah, c'était lui le gardien dans sa vidéo avec Hakim. Vous avez vu les parades qu'il mettait. Donc t'es, pour toi, t'es attaquant. C'est ton poste. Attaquant. Ok. Et vous allez voir, il est attaquant, il le dit. Hein. Et vous allez voir que bah, il se débrouille ailleurs quand il attaque. Donc aujourd'hui, justement, pour pouvoir vérifier ça, j'ai préparé 2-3 petits exercices, on va dire. Le premier, on va te mettre au cage, je vais frapper, ça va être simple. Je vais mettre des frappes à 25 mètres, on va voir si t'es chaud ou pas. Moi, je sais que t'es chaud, mais la plupart ne le savent pas. Deuxième exercice qu'on va faire, on va le tester en défense, on va faire des 1 contre 1. Et le dernier défi, cette fois-ci, c'est je vais quitter l'écran complètement, je vais laisser lui face au gardien un ballon et il va devoir enchaîner les frappes et on va voir si c'est un bon attaquant comme il le dit, vu que c'est dit attaquant. Ça serait cocasse qu'il arrive à mettre aucun but alors qu'il est attaquant. Vous allez découvrir que ce jeune homme Yanis est un très très grand footballeur à devenir. C'est parti les gars. J'ai commencé au Parc Galizia en 2006-2007. J'ai fait un an et demi là-bas, donc c'était la période où ce que je faisais joueur en même temps gardien de but. J'avais vu cette parade, je l'avais placée juste au bon endroit, à la bonne hauteur pour qu'elle porte en lucarne tranquillement et il va chercher des bouts des doigts. Allez hop! Quel golazo! Après je suis parti au Paris FC l'année d'après, où j'évolue toujours d'ailleurs. Donc maintenant j'évolue en U19, je suis passé par les 17 nationaux, j'ai gagné la Coupe de Paris avec les 17, et maintenant avec les 19 nationaux. Juste un peu de spectateur. Un tout petit peu, il fallait que Paul arrive et là je me sens mieux là. J'applaudirai pas assez, je crois. Bien joué, Yanis. Vous avez vu son niveau un peu? C'était plutôt pas mal. Il y a 2-3 frappes que je mets, tu peux pas les arrêter. Non, non. Les gars, maintenant, vous l'avez vu au cage. Dites-moi si vous pensez qu'il est chaud au cage. On va passer maintenant à l'aspect défensif. Tu vas enlever tes gants, tu vas te mettre en face de moi. On va mettre un gardien cette fois-ci. Et je vais faire 5 passages. On va voir durant les 5 passages si t'arrives à m'arrêter ou pas. Vas-y. D'accord? C'est parti pour le deuxième test. Défense. Let's go. Bon les gars, c'est parti pour le deuxième test. Yanis, il va être en défense, je vais avoir 5 passages, je vais devoir l'éliminer et marquer juste derrière. Ça va, il me bloque, il me rentre dedans. J'étais dans le football, forcément c'est devenir professionnel. Je vais essayer de me donner les moyens pour réussir et te donner quoi. Et qu'est-ce que tu fais pour te donner les moyens? Travailler, toujours travailler. Entraînement, se donner à fond. Même sur tes vidéos, se donner à fond. Toujours de se donner à fond. Ah, je pensais l'avoir passé. Il a mis son pied au dernier moment. Pour tous les abonnés qui veulent percer, qui veulent avoir une chance de réussir dans le foot, il faut toujours persévérer, toujours travailler, toujours donner à fond quoi qu'il arrive. Bon, là il est mort. Oh là là. Oh là là. Comme d'habitude, dans les commentaires, vous dites s'il est chaud en défense. Je suis passé que 2 fois. Donc voilà, on va passer au troisième test. Ce troisième test, il est simple. Il y aura un gardien au cage. On va lui laisser une série de frappes. Il va devoir enchaîner. Super. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. C'est un truc de ouf. Vous avez mis la frappe. Elle était sèche, pleine de lucarnes. Elle est un peu poteau, putain. Je crois qu'on va arrêter là. C'est bon, c'est un bon attaquant. On arrête la vidéo ici. Tu peux continuer à tirer quand même? Bon, pour moi c'est bon. Moi c'est bon, il a prouvé ce qu'il fallait prouver.
Arrêtons la vidéo directement. Je vois pas pourquoi on devrait faire d'autres tirs. Il y en a fait deux. Les deux, ils ont fait mouche. What, chat, c'est bon, on arrête là, c'est bon, stop. C'est bon, terminé, on arrête la vidéo. Ah, j'ai laissé un tir, deux tirs, trois tirs, c'est bon, d'un moment, j'en ai vu assez. Ça, j'économise du temps, je rentre chez moi, je fais autre chose. Je vais présenter Yanis, un très très grand joueur, complet partout, à tous les postes, défenseur, gardien, attaquant, qui fera sûrement partie d'un futur Boumé FC. Projet. Qu'on n'appellera pas Boumé FC, mais peut-être, qui sait, peut-être c'est un projet sur la place. Je vous préviens à tous ceux qui essaient de me voler, c'est mon poulain, c'est mon gardien, mon défenseur, mon attaquant. Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas aussi d'aller follow sur Instagram, venez me follow sur Instagram, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Mon gars, la nuit, peut-être qu'on se retrouve samedi prochain. Ouais. Allez les gars, peace.